Pasteur Docteur W.Komoué. Je dis gloire à Dieu. Vous l'avez reçu. Vous avez reçu votre miracle. La puissance de Dieu est ici ce soir et vous n'allez jamais rester les mêmes au nom de Jésus-Christ. La pluie de miracles tombera sur vous. J'aurai mon miracle. Il faut le dire, j'aurai mon miracle. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce soir, bénissons ton nom. Nous savons que tu es ici avec ton amour, ta miséricorde, ta compassion et ta puissance pour tout le monde. Nous demandons que tu bénisses tout le monde au-delà de leur attente au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que ce soir soit une soirée de transformation et comme nous écoutons ta parole en parlant de Christ le Sauveur, Christ notre sacrifice, Christ celui qui est venu ôter nos problèmes. Nous prions que par la foi que nous te touchions au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toute vie soit transformée en meilleure. Prends tout le monde et utilise ta puissance pour descendre sur tout ce qui est autour de nous, afin que tes bénédictions soient les nôtres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que le ciel dise Amen à toutes nos requêtes. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous en grande attente. Parce que ce soir, c'est une soirée de percée surnaturelle. Ce soir, nous allons voir Jean, chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » qui ôte le péché du monde. Christ opère partout dans le monde, ici, en ligne, à la télé, à la radio, dans chaque continent, quel que soit le pays, l'assemblée où vous vous trouvez maintenant en tant qu'individu, vous vous connectez. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte, qui a ôté et qui ôte toujours le péché de tout le monde dans le monde. Comme vous venez ce soir et vous êtes là, vous connectez avec le Seigneur, il ôtera tous vos péchés. Je crois que vous allez dire Amen. Et toutes les conséquences du péché, les maladies, les afflictions sataniques, tout ce qui est les rejetons de nos péchés, le Seigneur ôtera tout de votre vie ce soir, comme vous croyez au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu, pas l'agneau de l'homme, choisi par l'homme, et l'homme lui dit, tu ne peux pas faire ceci et cela, voici l'agneau du Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque sur toute la planète, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes invités ce soir à le regarder par la foi et à l'admirer par la foi, cet agneau de Dieu qui ôte le péché et les conséquences du péché partout dans le monde. C'est dit en 1 Jean 3, 5. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru. Il est venu pour un seul objectif. Il est venu pour une seule raison. Comme vous venez pour l'objectif de l'avènement de Christ,
voici ce qu'il est venu faire, et tu es venu, et tu veux qu'il fasse cela dans ta vie. Et dit, nous savons, il s'est dit que, oh, vous le savez, Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, a paru pour ôter les péchés, vos péchés, les péchés de tout le monde, dans le monde entier. C'est pourquoi Christ est venu, et ce soir, l'objectif de son avènement sera atteint dans votre vie. Il vous affranchira, il vous délivrera, il ôtera tous les péchés du mal de votre vie, et votre âme, votre esprit, ce soir sera affranchi au nom de Jésus-Christ. Et il s'est dit que en lui, et il n'y a point en lui de péché. Christ n'a jamais commis de péché. Pourquoi a-t-il souffert? Il a souffert pour vous, il est mort pour vous, il est mort afin que vous veniez à la vie de Christ. Parce que lui, il a paru, il s'est révélé, il s'est manifesté, il est venu dans ce monde pour ôter vos péchés. Parce qu'il n'y a point en lui de péché. Il y a un mot que je dois vous dire, c'est le mot substitution. Lorsque vous devez porter un fardeau particulier, et le fardeau là est plus pesant que vous, cela va vous écraser. La personne, quelqu'un te dit, je vais porter cela pour vous. La personne devient ton substitut, ce que tu devais faire, mais une autre personne est venue le faire pour toi. Donc ce soir, je parle de l'agneau substitutif pour notre libération surnaturelle. Christ est devenu votre substitut pour porter le fardeau que vous ne pouvez pas porter, pour porter la punition que vous ne pouvez pas supporter, pour souffrir de façon terrible que vous ne pouvez pas pour vos péchés. Il est l'agneau de Dieu et c'est lui qui est venu en tant que sauveur substitut. Il est venu comme le sacrifice final pour vos péchés. L'agneau substitutif pour notre libération surnaturelle. Je suis libéré ce soir. J'ai la libération ce soir. Puisse cela être confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Premier point, regardez l'agneau céleste de Dieu. Regardez l'agneau céleste de Dieu. Il est venu du ciel, ce n'est pas un agneau terrestre. Tout agneau immolé, que ce soit en Égypte, bien le jour qu'ils étaient sortis de l'Égypte, ou quel que soit l'agneau sur l'autel des enfants d'Israël, c'est l'agneau du monde, né dans le monde, sacrifié dans le monde. Mais cet agneau est venu du ciel et le Père a parlé du ciel que voici mon fils bien-aimé, il est venu du ciel et en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez l'agneau céleste de Dieu. Deuxième point, croire au Seigneur guérisseur de toute bonté. Il est plein de bonté, il aide tout le monde, il guérit tout le monde, il délivre tout le monde. Pour lui, il n'est jamais partiel. Pourquoi? Il est venu pour tout le monde entier. Il est venu guérir, il est venu sauver, il est venu aider tout le monde. Donc, vous croyez au Seigneur guérisseur de toute bonté. Maintenant, troisième point. Commencez la vie honorable de grâce. Ce soir, vous allez commencer une nouvelle vie. Je dis ce soir, vous allez commencer une nouvelle vie. Une vie honorable de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu rendue disponible à travers Christ. La grâce là vous sera donnée ce soir. Vous allez commencer une bonne vie. Une vie honorable. Une vie transparente, honnête. Une vie honorable de grâce. 1, 2, 3 et vous allez commencer.
numéro 1, c'est contempler, regarder l'agneau céleste de Dieu. Encore, je vous lis de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Pourrais-je vous dire quelque chose, cette phrase. Voilà l'agneau de Dieu, c'est toute la carrière de Jean-Baptiste. Pensez à une personne qui était envoyée dans ce monde. Il était né, il a vécu pour une seule chose, pour déclarer au monde, voici, voilà l'agneau de Dieu. Cette déclaration doit être si importante qu'une seule personne, le précurseur de Christ, devait être né dans ce monde pour dire, pour le déclarer que ceci, dès qu'il déclare cela, son ministère est bien accompli, bien rempli. C'est pour vous dire que voilà l'agneau qui doit ôter vos péchés, l'agneau qui doit vous offrir le pardon, l'agneau qui doit vous libérer, l'agneau qui doit vous faire réconcilier avec Dieu. Et il est venu maintenant, il a accompli son ministère, comme il vous dit, voilà l'agneau de Dieu. Si vous allez répondre au ministère d'un tel homme, ce qu'il dit est très simple. Numéro 1, il a montré l'agneau qui ôte nos péchés. 2, il a montré qu'il est de Dieu. Il est nommé par Dieu, il est de Dieu. Et il est le seul que Dieu a affirmé que c'est lui qui a le pouvoir, l'autorité pour ôter tous vos péchés. Et quand il ôte ces péchés-là, les péchés ne seront plus là parce que tout est ôté. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de le regarder, c'est-à-dire de le regarder avec des yeux de foi, l'esprit de foi, avec le cœur de foi, vous le regardez et vous dites, il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucun autre projet, il n'y a aucun autre moyen pour avoir mes péchés ôtés, ôtés de mon cœur, mes péchés ôtés de mon habitude, mes péchés ôtés de mon style de vie. Je regarde l'agneau de Dieu. Voyons cela au verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Quand vous attendez, vous devez agir selon le message. Lorsque ces disciples qui étaient avec Jean ont entendu, ils n'ont pas dit que d'accord. Déjà, nous sommes disciples de Jean. D'accord, nous sommes déjà dans la religion. Ils savaient que voici le point culminant du ministère de Jean et il a déclaré voilà l'agneau et ces deux aussitôt ils ont répondu comme vous allez répondre ce soir lorsque vous entendez dire que voici l'agneau, voilà l'agneau, croyez-le, regardez-le, acceptez-le et c'est lui qui a le pouvoir, l'autorité et il a l'approbation de Dieu depuis le ciel que lui seul va ôter vos péchés. C'est lui qui va ôter les conséquences du péché. Tous les châtiments que vous devez porter, il ôte tout et il ôte la corruption du péché. Il te purifie, il te nettoie, il te lave. Il ôte tout ce qui ne doit être votre possession. Les deux disciples suivirent Christ. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait. Christ veut vous voir le suivre. Que oui, Seigneur, je suis ici. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. J'ai entendu que tu es l'agneau, tu es le sauveur. J'ai entendu que tu es le rédempteur. Tu examines ta vie. Il y a encore le péché là-bas. Il y a encore cette mauvaise habitude là-bas. Tu as encore vu la chose là qui te pousse,
qui t'attire à faire le mal. Et tu sais que le péché sera reconnu et châtié par Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen pour avoir le pardon et la miséricorde et la libération. C'est par le salut en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et tu fais comme ces deux disciples de Jean ont fait. Et tu vas venir et tu diras, Seigneur, je te suis. Et va te voir le suivre ce soir. Christ te verra le suivre ce soir. Et il leur dit, que cherchez-vous? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le salut qui provient de lui, l'agneau de Dieu. Tu cherches la libération, le pardon qui provient de lui, l'agneau de Dieu. Tu cherches la puissance, l'autorité, la force, la grâce pour mener une vie différente, une vie sauvée, une vie au-dessus de tous les niveaux de dépravation que tu menais. Que cherchez-vous? Si tu as quelque chose, tu viens ici. Si tu ne cherches rien et tu viens simplement, ceux qui viennent simplement, ils n'espèrent recevoir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Lorsque tu vas au marché, c'est pour marcher et puis retourner à la maison. Parce que tu cherches quelque chose, parce que tu cherches quelque chose, tu demandes quelque chose, tu désires quelque chose dans ton cœur. Que cherchez-vous? Est-ce le pardon? Est-ce la libération? Est-ce le salut? Ou bien que les péchés soient ôtés? Si c'est ce que vous cherchez, vous l'aurez ce soir. Oh, je l'aurai ce soir. Vous n'allez pas rentrer les mains vides au nom de Jésus-Christ. Voyons Ésaïe 45, Ésaïe chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Vous regardez ici et là, et le Seigneur dit, il n'y a pas de victoire là-bas, il n'y a pas de salut là-bas. Tu regardes vers les collines comme si c'est ton Dieu. Il n'y a pas de salut là-bas. Tu as les yeux sur le fleuve comme si cela va t'apporter la délivrance. Il n'y a pas de salut là-bas. Tu regardes les rites et les cérémonies de la religion. Le Seigneur dit, il n'y a pas de salut là-bas. Tu vois les efforts humains, ce que je peux faire moi-même. Tous les efforts que je peux déployer. Il n'y a pas de salut dans tes efforts. Tu regardes ta détermination, cette chose-là, je vais la vaincre. Tu ne peux pas vaincre le péché par la détermination humaine. Tu vois la tradition, voici la tradition de nos aïeux. Nos aïeux, par la tradition-là, ils n'ont pas vaincu le péché et les conséquences du péché ou les châtiments du péché. Ce qu'ils nous ont remis, Quelqu'un le leur a remis et quelqu'un aussi a remis cela à quelqu'un. C'est de génération en génération et de toutes les générations dans le monde. C'est la génération des pécheurs, des gens faibles, des gens sans puissance. C'est pourquoi c'est dit que tous ont péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute la tradition que vous avez reçue et que la tradition est transférée. Toutes les cérémonies sont transférées, les rites sont transférés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comme vous regardez ici et là, croyant que vous aurez le salut là-bas, maintenant vous regardez à la bonne direction. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Comme vous allez regarder le Seigneur ce soir, vous serez sauvés. Il va ôter tous vos péchés. Il va ôter la culpabilité. Il va ôter toute la condamnation. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Partout où vous vous trouvez, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait. Le seul moyen d'avoir le salut du Seigneur est de regarder l'agneau que Dieu lui-même a donné. Et dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Numéro 1, c'est de regarder
l'agneau céleste de Dieu. C'est par cela que le salut vient. C'est par cela que le pardon vient. C'est par cela que la libération vient. C'est par cela que la joie du salut et l'assurance que le ciel est maintenant enregistre. Inscrit votre nom comme une âme sauvée. Tout cela viendra. Parce que vous regardez l'agneau céleste de Dieu. Deuxième point, c'est croire au Seigneur guérisseur de toute bonté. Croire. Lorsque nous croyons, alors cette foi passe par la vertu de guérison à votre corps. Si vous êtes aveugle, comme vous croyez ce soir, ces yeux aveugles vont s'ouvrir. Si vous êtes paralysé, comme vous croyez au Seigneur ce soir, ce même miracle va se produire dans votre vie. Croire au Seigneur guérisseur de toute bonté. Pourrais-je vous expliquer quelque chose? Il est Seigneur. Il est au contrôle. Il est en charge. Il contrôle tout. Tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous affaiblit, tout ce qui vous paralyse, qui vous rend impotent, incompétent, et vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Et Christ est le Seigneur. Il est au contrôle. Il est en charge. Et il va ôter toutes ces maladies de votre vie ce soir. Il faut dire « je crois ». Il faut le répéter « je crois ». Voyons, Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Quelqu'un est venu appeler Jésus, à guérir sa fille unique. Comme Jésus allait avec l'homme là afin de guérir sa fille, il a reçu l'information que maintenant que le problème est au-delà de la solution, que maintenant le défi que tu as avec ta fille est venu à la fin des efforts humains. Il disait qu'il n'y a rien que l'on puisse faire, que tout est venu à la fin. Mais vous savez, Christ n'est pas tout homme. Christ n'est pas tout agneau. Christ n'est pas comme tout dirigeant. Il est unique. Ce que les autres ne peuvent pas faire, le Seigneur le fera dans votre vie. Ce qui vous a fait céder et dit que ceci ne va pas marcher parce qu'on est à la fin de tout, le Seigneur va pénétrer votre vie et ce soir. Et la chose là que les gens disent que personne ne peut le faire, celui-là qui est plus grand que tous les hommes va le faire. Il va l'affirmer. Il va te guérir. Il va détruire toutes les œuvres du diable dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il est le Seigneur guérisseur de toute bonté. Toute bonté réside en lui. La bonté qui doit aider, la bonté qui va guérir, la bonté qui va délivrer, la bonté qui va t'affranchir, la bonté qui va faire des miracles dans ta vie, tout réside en lui. C'est pourquoi c'est dit, ne crains pas que cette maladie va ôter ta vie. Cela ne va pas ôter ta vie. Ne crains pas que cette affliction va t'engloutir. Cela ne t'engloutira pas. Ne crains pas que cela a tué telle personne, cela a tué celui-là. Je suis le suivant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Dieu, en Christ, a tout fait pour toi. Et ce soir, comme tu as les regards sur le Seigneur et tu n'as pas peur que cette maladie va continuer, la puissance du Seigneur, la vertu de guérison
du Seigneur viendra dans ta vie et il t'affranchira. Où es-tu là-bas? Le Seigneur t'affranchira, affranchi des maladies, affranchi des afflictions et de ces démons qui te dérangent. Ce soir, ne crains pas, crois seulement. Et cette foi agira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 10. Je lis le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Quand le Père a dit Christ, son Fils unique, et l'a envoyé dans le monde, il l'a nommé à faire ce qu'il a envoyé faire. Il a investi de pouvoir de faire ce que le Père Céleste veut qu'il fasse. Il l'a équipé de toute la puissance du Saint-Esprit et cette puissance agit dans sa vie. C'est pourquoi partout où il allait, les paralytiques se levaient et marchaient. Partout où il allait, les aveugles voyaient. Partout où il se rendait, des miracles se produisaient. Et il a démontré la majesté, la gloire de la puissance de Dieu au-delà de toute description. Pourquoi? Parce que le Père qui l'a envoyé, qui l'a nommé, l'a équipé et l'a investi de pouvoir. Et aujourd'hui, cette puissance est ici. Et c'est il est à vos côtés là-bas. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et le Seigneur est à vos côtés là-bas. Où est-il présentement? Je dis, où est Jésus ce soir? Le guérisseur, où est-il ce soir? Le libérateur, où est-il ce soir? Et réellement, nous sommes sûrs et il fera le miraculeux dans votre vie ce soir. Et vous savez comment Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui n'échoue pas, celui qui a tout pouvoir, le Dieu fidèle, Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth. Cette force, c'est pour vous. Cette force, c'est pour vous guérir, c'est pour vous délivrer, c'est pour vous affranchir. Et le Père au ciel fidèle a oint Christ de force et de Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il ne fait jamais du mal. Tout mal que Satan a fait, dès que Christ vient à toi, il révoque ce mal. Il enlève ce mal-là. Parce qu'il est venu, non pour faire du mal, il est venu révoquer, il est venu ôter tout le mal que les pouvoirs maléfiques ont fait dans ta vie. Félicitations à toi, tu es là ce soir. Il fera du bien dans ta vie. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous, pas d'exception, guérissant tous, quelle que soit la description de votre maladie, il guérit tout le monde, quel que soit le lieu de votre provenance, il guérit tout, parce que c'est la bonté universelle qu'il a apportée, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de partialité. Pour l'homme, la femme, le jeune, l'enfant, l'adulte, Christ vous guérira ce soir parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Dieu le Père n'opprime personne. S'il y a une oppression là-bas, cela provient du diable. Et Christ est venu afin de détruire toutes les œuvres du diable dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre vie. Christ, il fera la bonne chose ce soir
et il détruira les œuvres du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et Dieu a œuvré avec lui. Dieu a opéré avec lui. Et Dieu a fait des choses merveilleuses, des choses majestueuses, des miracles avec lui. Comme Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et comme ce soir il va ici, il fera du bien. Il fait du bien. Et guérissant, et délivrant, et affranchissant, et brisant tous les jeux dans votre vie. Et renvoyant tous les démons de votre vie au nom de Jésus-Christ. Car Dieu, comme Dieu était avec lui, alors présentement même, il est avec Dieu et Dieu est toujours avec lui. Numéro 1, c'est de regarder l'agneau céleste de Dieu. 2, c'est de croire au Seigneur guérisseur de toute bonté. Maintenant, quand est-ce que le salut va commencer dans votre vie? Quand est-ce que la guérison viendra dans votre vie? Quand est-ce que le miracle entrera dans votre vie? C'est maintenant. Je prends le troisième point maintenant. Commencez la vie honorable de grâce. La vie honorable de grâce. Avant de regarder l'agneau, avant de croire au Seigneur, nous menions une vie malhonnête, déshonnête, de grâce, d'opprobre, de dégradation. Mais maintenant, comme nous avons reconnu que tous les efforts que nous avons déployés, tout le pouvoir que nous avons, tout ce dont nous étions capables de faire, tout cela n'a pas pu ôter la vie déshonnête, disgracieuse. Mais maintenant, on se tourne vers le Seigneur. Comme vous vous tournez vers le Seigneur, ce sera le commencement d'une vie honorable de grâce dans votre vie. La grâce est le don de Dieu qu'il nous offre sans rien payer, sans verser les larmes pour cela, et sans aucun effort humain. Dès qu'il y a les efforts humains, et tu peux dire que j'ai obtenu ceci, parce que j'ai essayé, il n'y a plus grâce, c'est la récompense de vos efforts. Mais quand vous venez et vous dites que je n'ai rien apporté dans mes mains et je m'accroche simplement à la croix et son sang te purifie gratuitement, sans dire que j'ai payé ceci, j'ai fait cela, j'ai essayé ceci, je me suis efforcé de faire ceci. Tout ce que tu as maintenant, ce sont les œuvres de Christ. Tu dis, tout ce que tu disais toi-même, ce sont tes œuvres. J'ai payé ceci. Mais quand tu viens, tu n'as rien fait. Tu dépends de ce que Christ a fait seul à la croix de Calvaire. Et tu le regardes et tu comprends que la grâce a accompli ceci et c'est gratuitement pour toi parce que Christ a tout payé. Au calvaire, Christ a tout payé. Avec sa mort, Christ a tout payé. Avec le sacrifice final, quand il a dit « tout est accompli », Christ a tout payé. Et le salut devient ta possession à cause de ce que Christ a fait. Alors, commencez la vie honorable de grâce. Nous allons aux Éphésiens chapitre 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Nous étions morts par nos offenses, c'était terrible. Nous étions approfondis dans le péché, submergé dans le péché,
Le péché était dans notre cœur, dans notre vie, dans notre habitude, dans notre disposition, dans nos désirs. Nous qui étions morts par nos offenses, nous nageons dans l'océan du péché. Nous nous noyons à cause des pratiques pécheresses de notre vie. Si nous sommes totalement noyés, nous serons morts, nous serons à l'autre côté. Et ça, ce sera les ténèbres pour toujours, l'enfer pour toujours. Et en ce temps-là, nous avons entendu parler de l'agneau céleste de Dieu qui ôte le péché de tout le monde. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le don gratuit de Dieu, vous êtes sauvés. C'est par la mort de Christ à la croix de Calvaire que vous êtes sauvés. Et c'est en croyant au Seigneur qui a ôté tous vos péchés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 8 ici. Verset 8 dit, car c'est par la grâce, il nous rappelle que ce ne sont pas les efforts humains, ce n'est pas par la justice morale humaine, ce n'est pas votre décision de dire que je mérite ceci, j'ai fait cela. Regardez mon rapport montre que je suis un homme qui fait de son mieux, ton meilleur, ça ne peut pas atteindre le salut sans la repentance et la foi en Christ. Alors c'est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous croyez au Seigneur, vous êtes sauvés. Tu dis, Seigneur, voici ce dont je dépends. La seule chose dont je dépends, c'est ce que Christ, l'agneau céleste de Dieu a fait pour moi et je viens recevoir ce salut sur la base de l'expiation, de substitution de Christ pour moi. Et car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vos efforts humains. Cela ne vient pas de vos œuvres. Pas dire je suis mieux que l'autre là. Je suis meilleur que tous. J'ai fait ceci que les autres n'ont pas fait. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et le don de Dieu est le salut. Et cela vous sera accordé ce jour. Le don de Dieu dans la guérison vous sera donné ce jour. Le don de Dieu pour vous délivrer vous sera offert ce jour. Et le Seigneur fera tout. Le Seigneur fera toutes choses bonnes pour vous. Le Seigneur fera tout pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous délivrer. Il le fera dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Qui peut avoir ce salut du Seigneur, puisque Christ a tout payé. Il a payé tout pour tout le monde. Il a payé tout pour tout le monde sur la face de la terre, dans chaque génération. Voyons Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous. Le don de Dieu, le résultat de ce que Christ a fait à la croix de Calvaire, cette grâce, ce don-là, ce résultat du sacrifice de Christ, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cela se manifeste à toi maintenant. Cela vient à toi maintenant, comme tu dis, je regarde cela, je peux voir cela, Christ est mort pour moi, je vois cela dans mon esprit, je vois cela avec la foi dans mon cœur, cela va descendre sur toi et ce soir tu seras sauvé. Je dis, ce soir tu seras sauvé, parce que ce salut-là,
avec la grâce qu'il apporte, alors s'est manifestée à tous. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tu dis que parce que Christ est venu me sauver, je me détourne de toute forme de péché, de toute forme d'impiété, de toute forme de choses mauvaises en secret, parce que Christ, quand il vient, il nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Et si l'impiété tape à la porte, tu dis, mais c'est qui tape à ma porte? Et la voix dit, oui, je suis ton ancienne habitude. Oui, je suis l'ancienne impiété. Je suis les choses mauvaises qu'on faisait ensemble. Tu dis, mais j'ai déjà fermé la porte contre cela. Mais je dis non à cela maintenant. Mais je renonce à cela. Et aucune impiété, aucune convoitise, aucune mauvaise habitude ne demeurera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cette grâce qui apporte le salut, source de salut pour tous les hommes, maintenant elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est à vous ce soir. Il faut dire c'est à moi ce soir. C'est à vous ce soir. Le Seigneur vous donnera une abondance de grâce. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Pensez-y. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Comme le soleil brille du ciel et brille sur tout le monde, c'est une illustration pour nous que le Seigneur qui nous donne l'ensoleillement aussi bien que les nuages, à qui il nous couvre, qui nous protège de la brûlure du soleil. De la même manière, il donne à tout le monde le soleil pour sécher ce que nous devons sécher et il protège. Et comme les nuages nous couvrent, nous ombragent sans exception, de la même manière, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, la guérison de Dieu est rendue disponible à tous. Et dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel donne la grâce et la gloire. La grâce de Dieu viendra à vous ce soir. La gloire de Dieu va briller dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Comme vous venez au Seigneur, il vous donnera la grâce, la puissance et la force de marcher dans l'intégrité et depuis le commencement de ce voyage de foi, en marchant dans l'intégrité, il ne te refusera aucun bien. Le salut est une bonne chose. Cela ne te sera pas refusé. La guérison est une bonne chose. Cela ne te sera pas refusé. Et la délivrance est une bonne chose. L'exaucement à la prière est une bonne chose. Cela ne te sera pas refusé. Tu auras la bonté du Seigneur au salut ce soir, à la guérison ce soir. Il te donnera la guérison ce soir. Tu auras la bonté du Seigneur avec de puissants miracles sur ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il donne, pas qu'il donnera, il donne à chaque instant, il te donnera la grâce et la gloire. Et la gloire qui vient au salut ce soir, tout est à moi. Je dis, tout est à moi. C'est à vous au nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera pardonné. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera affranchi. Et ce soir, comme vous invoquez, disant Seigneur, me voici, je crois, je regarde et je crois. Et maintenant, je commence la vie honorable de grâce. Comme je touche, comme j'embrasse ce que Christ a fait pour moi, cela ne fera pas défaut dans ta vie. Cela viendra. La bonté de Dieu viendra. Le salut du Seigneur viendra. La libération du Seigneur viendra. Le pardon venant du Seigneur viendra. Cela viendra sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et comprenez, dès que tu dis, oui, je regarde l'agneau, il est mort pour moi, je regarde l'agneau, il a donné sa vie pour moi, oui, je regarde la bonté du Seigneur pour moi ce soir. En ce moment-là, le Seigneur te donnera la grâce qui doit te conduire à la gloire. Es-tu là? Où es-tu? Est-ce que tu vas recevoir ce soir le salut du Seigneur? Est-ce que tu reçois le pardon du Seigneur ce soir? Est-ce que tu reçois la liberté, la libération, la liberté qu'il a apportée? Est-ce que tu vas recevoir cela ce soir? J'ai besoin d'une réponse. Le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur, le Dieu du ciel, celui qui ne manque pas, celui qui ne déçoit pas, celui qui amène sa grâce dans chaque vie, celui-là qui n'est pas partial, celui-là qui bénit tout le monde sans exception, ce soir, comme vous décidez pour le Seigneur, disant « Seigneur, c'est ce que je veux, c'est pourquoi je suis venu, je veux avoir ce que tu as prévu, et cela te sera donné ce soir. » Et puis, il ne te refusera aucune bonne chose. Parce que le Seigneur lui-même va manifester sa miséricorde sur ta vie ce soir. Amen. Un autre Amen. Un bon Amen qui doit atteindre les cieux. Tête baissée, les yeux fermés. La grâce de Dieu est disponible pour pardonner vos péchés ce soir. La grâce de Dieu est disponible pour sauver votre âme. La grâce de Dieu est ici, disponible pour tout le monde qui invoquera le nom du Seigneur. La grâce de Dieu qui coule et qui va vous atteindre là où vous avez le mal ou le besoin là est disponible. Si vous voulez la grâce, le salut, le pardon, cette libération, et vous voulez cette réconciliation et cette connexion avec Dieu ce soir, où que vous soyez, levez la main et dites, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma justice morale, ce n'est pas la bonté de Dieu, et qui est rendu disponible pour moi au calvaire, au travers de Jésus-Christ, où que vous soyez, levez la main pour dire, Seigneur, me voici, je suis ici. Qui te reconnaisse là-bas? Oui, Seigneur, je suis ici, j'ai besoin, je veux ton salut, je veux que ton pardon, que tu ôtes mes péchés et la condamnation, la culpabilité de mon cœur. Je veux que tu ôtes la conséquence du péché et le châtiment éternel du péché de ma vie. Je veux cela maintenant et le Seigneur le fera pour toi. Où que vous soyez, levez la main. Si tu lèves la main, prière, vous levez. Si vous levez la main, prière, vous levez. Et vous dites, et tu dis en personne, Seigneur, oui, c'est pour moi. Christ est mort pour moi. Il a fait le sacrifice pour moi. Je le regarde maintenant. L'agneau de Dieu, je le regarde maintenant. Celui-là qui est venu me remplacer. Celui-là qui est venu souffrir pour moi, qui est venu faire l'expiation pour mes péchés, je le regarde maintenant. Il est mon substitut et il est mon sauveur. Où que vous soyez maintenant, levez la main maintenant.
Que le Seigneur vous bénisse et vous voit là-bas. Et tenez-vous debout, tenez-vous debout du moins. Et dites oui, je décide de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Je décide de recevoir la grâce de Christ. Pas de retour, pas de retour. Je décide d'avoir le pardon, la libération du Seigneur. Le pardon du Seigneur, pas de retour, pas de retour. Et je regarde Christ, je le visualise. Il est mort pour moi à la croix. Je crois au Seigneur sans aucune ombre de doute que lui, il a été offert pour mon salut. Seigneur, je crois et je crois que la grâce de Dieu vient dans ma vie maintenant pour commencer la vie honorable de grâce. Toujours sur les pieds, si c'est votre décision ce soir, je regarde, je crois et je commence la vie de grâce. Je vais prier avec vous maintenant. Fermez les yeux et dans votre cœur, dans votre esprit, tu dis, Seigneur, je me détourne de mes mauvaises habitudes de péché. Je me tourne vers toi. Je veux ce que Christ a fait à la croix du calvaire, en ôtant mes péchés, je veux cela en ce temps-ci, en ce temps de foi, en ce temps de te croire, en ce temps de m'appuyer sur toi. Je veux que cela soit transféré à moi. Il a fait pour moi, je crois. Seigneur, que cela soit transféré à ma vie. Je prie pour vous maintenant, Père au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour le pardon gratuit, le salut gratuit, le salut gratuit qu'on ne paie pas parce que Christ a tout payé. Il a tout payé pour tout le monde. Et je prie que ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, ton amour soient manifestés pour tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le pardon vienne pour tout le monde qui se détourne du péché et qui te croit maintenant. Que la libération vienne, que la liberté, que le salut vienne, que la joie du salut déborde tout cœur qui croit au Seigneur maintenant au nom de Jésus-Christ. Selon ta promesse, écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Je prie, Seigneur, que cela soit fait maintenant avec la joie du salut et la victoire, la paix du salut rentrant dans chaque cœur maintenant. Confirme-le dans chaque vie. Confirme-le dans chaque cœur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que vous avez fait. Et il ne peut pas échouer. Ce salut est à vous maintenant. Les conseillers sont là. Les conseillers vont interagir avec vous. Et vous allez donner tous les détails sur votre vie afin qu'on fasse le suivi pour vous aider plus. Personne ne doit rentrer maintenant parce que nous sommes pas encore la réunion, le programme n'est pas encore clos. Je reviendrai prier pour vous pour avoir les miracles, les délivrances au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous êtes content, que vous entendez dire Amen. Vous allez bienvenue à la famille de Dieu. À partir de ce jour, vous avez commencé la vie honorable de grâce. Comme les conseillers sont là et demandent vos coordonnées, donnez les coordonnées exactes. Faut pas mentir. Dites la vérité.
écrivez de bonne adresse. Nous voulons vous aider. Soyez ferme, s'il vous plaît. L'heure est au conseil. C'est le moment de soumettre toutes les coordonnées et écrivez lisiblement. Écrivez lisiblement. Écrivez lisiblement. Dead to me. Je veux jouir de cette grâce, cette vie de grâce. Je veux jouir du salut que j'ai reçu. Et si vous êtes en ligne, vous venez de donner votre vie au Seigneur après ce message. S'il vous plaît, regardez l'écran. Il y a un lien là-bas. Et également, il y a un numéro là-bas qui est plus 234. Tout d'abord, regardez le lien. Nous avons ce numéro plus 234 915 444 99 92 63 plus 234 91 54 44 92 63. Prêt à envoyer votre nom à ce numéro. C'est l'heure de remettre les problèmes, les requêtes entre les mains du Seigneur, parce que l'homme de Dieu reviendra pour prier pour nous. C'est l'heure de parler au ciel. Que Seigneur, ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, je veux recevoir mon miracle. Ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas. Je veux recevoir mon miracle. C'est l'heure de remettre vos requêtes au Seigneur. Que Seigneur, visite-moi. Ce soir, j'ai besoin d'un double miracle. Oui, j'ai le salut, je veux la guérison, je veux la délivrance, je veux la libération, je veux avoir la percée dans ma vie. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Bientôt, l'homme de Dieu viendra. Parlons au Seigneur. Bientôt l'homme de Dieu viendra. Il viendra prier pour nous.
dirigez-vous dans la prière. Seigneur, j'ai reçu un, je veux le deuxième, je suis sauvé. Mais regardez le défi que j'ai. Puisque je suis ton enfant maintenant, tu m'avais assuré par l'homme de Dieu que tu ne me refuseras aucun bien. J'ai décidé de marcher dans l'intégrité. J'ai décidé de vivre pour toi. J'ai décidé de me soumettre complètement à toi. Seigneur Dieu, accomplis ta promesse dans ma vie. Ce doit être votre prière maintenant. Il faut saisir cette promesse. Car Dieu, le Seigneur, ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tu as décidé de marcher avec Dieu, que tu ne vas plus rester un enfant de désobéissance. Tu as donné ta vie à Christ, ce qui est très merveilleux. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes en ligne. Le lien est là pour vous. Cliquez le lien et remplissez le formulaire qui est là. Si c'est à la radio et vous avez donné votre vie au Seigneur, que soit oui, la radio ou bien vous avez suivi ceci sur les réseaux sociaux et tu aimerais nous envoyer un SMS, passe par ce numéro plus 234 91 54 44 92 63. Parce que l'homme de Dieu a un amour intense pour vous, il y aura un banquet demain pour ceux qui sont sur le site du programme. Il y aura aussi pour les autres pays et la date vous sera communiquée. Bientôt l'homme de Dieu viendra. Parlez au Seigneur. Le demandant des miracles surnaturels dans votre vie. Vous aurez votre portion. L'homme de Dieu a promis. Il a dit qu'il viendra prier pour nous. Vous ne devez pas abandonner cette prière et vous engager dans d'autres choses. Le Seigneur Dieu a équipé l'homme de Dieu. Dieu l'a équipé à être une bénédiction pour toi. Il a promis de revenir, nous offrir la bénédiction. L'homme de Dieu viendra prier pour vous, où que vous vous trouviez, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, en Australie. Bientôt, l'homme de Dieu montera avec la puissance surnaturelle pour vous bénir. Nous sommes à une soirée spéciale. Dieu a donné à l'homme de Dieu un message et ce qu'il doit vous donner. Soyez prêts. L'homme de Dieu montera bientôt pour prier pour nous. Oui, cette soirée sera inoubliable dans votre vie.
Préparez-vous dans la prière. Préparez-vous dans la prière. Préparez-vous dans la prière. Car bientôt, la puissance de Dieu descendra comme une ondée. L'homme de Dieu va délivrer ce que l'homme, le Seigneur lui a donné et il va parler avec autorité. Apprêtez-vous, cette nuit est une nuit de miracle pour vous. Où que vous soyez, apprêtez-vous, cette nuit c'est votre nuit. Bientôt l'homme de Dieu montera avec la puissance de Dieu. Apprêtez-vous. Partout en Afrique, en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, partout sur le globe, la puissance de Dieu vous rencontrera là-bas, même dans votre chambre. Présentez vos défis au Seigneur. Présentez vos défis au Seigneur. Présentez vos problèmes au Seigneur. Le Seigneur vous exaucera. L'homme de Dieu viendra pour sceller tout avec la prière de miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt, l'homme de Dieu montera. Prions le Seigneur. Bientôt, l'homme de Dieu montera. Préparons-nous dans la prière. Présentons toutes nos requêtes au Seigneur parce que tout problème, toute maladie, toute infirmité recevra la touche du Seigneur ce jour.
continuons de prier le Seigneur. L'heure est à la prière. Write what can be used. And check the phone number. Make sure it has 11 digits. Perhaps you just joined now, or you didn't hear when we gave the announcement, and you are online listening. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous êtes en ligne. Il y aura un lien sur l'écran. Cliquez le lien là. Cela s'ouvrira sur un formulaire que vous allez remplir pour nous envoyer toutes les informations sur vous. L'homme de Dieu est déjà là. Priez vous tenir debout. L'heure est maintenant à la prière. C'est l'heure de recevoir. Gloire à Dieu. Mais où êtes-vous? Je dis gloire à Dieu. Oui, votre heure sonne maintenant. Votre miracle est venu. Je crois. Le Seigneur va confirmer votre foi au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous. Le Seigneur guérit, affranchit, délivre, manifeste la puissance pour tout le monde. Christ a payé pour votre guérison, délivrance et miracle. Et ce miracle est à vous maintenant. Levez les mains. Si vous avez un problème de santé, une maladie, une infirmité, ici, ou bien vous êtes à la télé, en ligne, à la radio, où que vous soyez, quelle que soit l'assemblée, vous trouvez, la toute puissance de Dieu vous touchera. Le Seigneur l'a fait pour des gens, il le fera pour vous. Les yeux aveugles s'ouvriront. Les paralytiques vont se lever et marcher. La tumeur là va disparaître. La prétendue maladie incurable sera touchée par le Seigneur et le Seigneur te guérira au nom de Jésus-Christ. Le calvaire n'échouera pas dans ta vie. Le sacrifice de Christ ne fera pas défaut dans ta vie. Ce qu'il a fait, ce qu'il a réservé pour toi, rien ne t'empêchera de l'obtenir. Impose la main à là où tu as le défi et lève l'autre main, sachant dans ton cœur que la fin de la prière, avec le dernier amen, le ciel va confirmer le miracle. Père, au nom puissant de Jésus, nous t'invoquons maintenant. Tu ne vas pas nous refuser. Tu n'as pas refusé la foi de ceux qui espèrent recevoir le miracle. Je prie maintenant, Seigneur,
que tout le monde qui espère sa guérison, son miracle, sa délivrance, Seigneur, accorde-leur le miracle au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance de la tête jusqu'au bout des orteils, toute partie du corps qui a une maladie, un mal, une affliction, une infirmité. Touche-les et guéris-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Cancer, je te commande d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Une maladie incurable, je te commande, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Une plaie intérieure, une hémorragie, je prie Seigneur que tu reçoives la touche définie de miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les maladies de longue date, que toutes reçoivent le miracle, la guérison, le rétablissement maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce pouvoir démoniaque, l'affliction démoniaque qui dérange la vie, là, Seigneur, je prie que ce démon-là sorte au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, que ceux qui sont aveugles, touchent leurs yeux maintenant. Cette cécité, je te commande, sors de là et sois guéri au nom de Jésus-Christ. Les oreilles sourdes, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Les langues muettes, parlez au nom de Jésus-Christ. La faiblesse du cœur, je prie que la douleur et les faiblesses, que tout ce qui tourmente leur vie, manifeste ta puissance maintenant. Ôte cela au nom de Jésus-Christ. Ici, sur le site où le programme se tient et partout, je prie que la puissance de miracle s'accomplit partout au nom de Jésus. En ligne, dans toutes les assemblées où les gens ont le regard vers toi et te touchent par la foi, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Des miracles partout, des délivrances partout, des guérisons partout, des libérations partout. Seigneur, je crois et crois, nous tous nous croyons, accomplis tes merveilles dans chaque vie. Merci Seigneur, nous savons que tu l'as fait, nous l'avons en notre possession. Nous recevons les témoignages, nous le verrons aussi dans les témoignages que nous donnons. Et confirme cette puissance de miracle dans chaque vie. Nous te remercions, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et vous avez reçu votre miracle. Examinez-vous maintenant et vous allez faire ce que vous ne pouvez pas faire. Cette puissance de miracle, cette guérison, cette délivrance est là. Examinez-vous. Vous avez un témoignage. Examinez-vous, vous avez...